sommes ici pour débattre sur l'action de l'homme dans la nature. L'homme est-il maître de la nature? L'homme domine-t-il la nature? Est-ce que son action a des conséquences positives? Quelles sont-elles? Et les conséquences négatives, quelles sont-elles? Quelles solutions trouver pour le monde de demain? Je demanderai à chacun de lever la main et d'intervenir. On commence directement par la question: quelles sont les actions de l'homme sur la nature? Comment l'homme agit-il sur la nature? Le président de séance va entamer le débat. Repose la question au tout le monde. L'homme, est-ce que l'homme est maître de la nature? Est-ce que l'homme est maître de la nature? Comment agit-il sur la nature? Des réponses formelant. Tu te lèves? Eh bien, il agit très mal parce qu'il coupe des arbres qui sont bien pour le mieux de la nature. Il y a moins de récoltes, plus d'habitants, du coup,
compenser l'absence de ressources. D'accord, tu vas pour les mêmes, en fait. Non, non, il faut que Raphaël explique. Raphaël explique. Chaud, les Attends.
Pardon. Tu portes un débat, tu le mettras sur YouTube, toi.